Oncle Ernest, tu permets? Quelle question, c'est une soirée dansante. Tu danses? Non, pas question. Mais il faut, j'ai dansé avec tout le personnel. Quand tu aimes ça, ça fait plaisir. Eh, secoue-toi un peu, on a une réception d'entreprise, une boîte à rire. Attends. Tu devrais faire danser ma caissière. Madame Wagner, vous dansez avec le patron? Vous voulez qu'on danse? Je n'osais pas vous le demander. Il y a beaucoup de belles filles. C'est une fabrique de couturières. Alors je vais aller me rincer un peu l'œil, tu sais. Vous êtes capitaine? Oui. Satisfait du voyage? Parfait. C'est le meilleur que j'ai fait et j'en ai fait beaucoup. Mais tant mieux. Où est Ernest? Il est sur la piste? On dirait qu'il y a pris goût. Oh, il ne danse sûrement pas. Il a horreur de ça. Alors, Madame Wagner, où avez-vous mis le patron? Je ne sais pas où il est. Je vous ai vu danser ensemble. Vous appelez ça danser? Salut. Fantastique, cette ambiance. T'inspire à force de danser. Ah, là, vous n'êtes pas le seul. Belle croisière, non? Tout le monde est content. Oui, j'en ai l'impression. Alors, c'est parfait. Vous êtes dans tous les coups. J'aime bien danser, c'est vrai. J'ai fait une découverte. Il y a un gars qui dit qu'il m'adore. Ça ne m'étonne pas. C'est une sorte de brute. J'ai cru que j'allais finir la danse, les pieds en sang. Où est mon mari? Aucune idée. Et le mien est dans la nature. Où est-ce qu'il est allé? Qui cherches-tu? Catfish a disparu. Il n'a sans doute pas remarqué qu'on était arrivé. Rien. Je ne le trouve nulle part. Est-ce que je peux vous être utile? Oui, mon ami, monsieur Catfish, n'est pas là. Il n'est pas là? On ne le trouve nulle part. Il a peut-être déjà quitté le bateau. Voilà sa femme. Jamais il n'aurait laissé sa femme à bord. Alors il est sur le pont. Ouais.
Rien sur le pont supérieur. Peut-être sur la passerelle. Allez voir ça en vitesse. À vos ordres. C'est incroyable. Il était bourré. Il aurait siroté, enfin pas à ce point-là. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu ivre. Mais pourquoi dis-tu ça? Il aurait pu se sentir mal. Et dans ce cas, on l'aurait trouvé. Peut-être est-il resté dehors. Et? J'en sais rien. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être est-il tombé à la flotte. Dis pas de sottises. Je réfléchis, c'est tout. Enfin, comment tomber à l'eau sur un bateau comme celui-là? Regarde, il y a des parapets un peu partout. Non. Peut-être a-t-il eu un malaise. Il est couché quelque part. Avez-vous regardé dans les toilettes? Oui, naturellement. Je suis sûr qu'à bord, il n'y a plus personne en dehors de nous. Il est peut-être descendu. Tu as les clés de la voiture? C'est lui qui les avait. Donc, on ne peut pas rentrer sans lui. Bon, je crois que maintenant, la meilleure solution, c'est d'appeler la police en vitesse. La police? Eh bien oui, bien sûr. Où est-ce qu'il est? Bien, merci. La police dit qu'elle va s'en occuper. Ils ont averti les hommes grenouilles. Ils vont le trouver, t'inquiète pas. Est-ce que quelqu'un veut un peu de café? Non, non, merci, Etty. Tu vas aller te coucher. Non, j'attends. Ça, c'est une histoire de fou. Je me demande s'il n'est pas parti avec quelqu'un. Pourquoi l'aurait-il fait? Mais je n'en sais rien. Peut-être a-t-il voulu nous coller la frousse. Je suis sûr que c'est la seule explication. Il est descendu avant nous et demain, il va revenir tout content de sa bonne plaisanterie. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non. Et alors, j'y comprends rien. Non, Etty, un de nous doit rester là. Hein? C'est essentiel. Je vais rester avec elle. Oui, tu as raison. Il va vous téléphoner ou alors la police vous tiendra au courant. Bon, Etty, surtout ne pense pas tout de suite au pire. Il n'y a aucune raison. Il y a sûrement une explication toute simple. Oui, j'espère. Oui. Allez, viens, on rentre. Je suppose que nous ne dormirons pas cette nuit. S'il y a du neuf, je vous appelle. Entendu. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu ris? Pourquoi ris-tu? Il y a des choses comiques, je trouve. Ah oui, qu'est-ce que tu trouves comique? Ne t'inquiète pas et rentrons chez nous. Et que voulais-tu dire? Ne t'inquiète pas, je te dis. Dis-moi au moins ce que tu penses. Pourquoi? Tu es ridicule. De le trouver dans le lac. Il s'est noyé? Non, on lui a planté un couteau dans le dos. On a assassiné M. Kettwich. Je m'appelle Zones. Je suis l'associé de M. Kettwich. Inspecteur Derrick et inspecteur Clark. Moi, je vous prie d'entrer. Merci.
Voici Madame Kettfish. Bonjour. Sa belle-fille, je suppose? Non, sa femme. Permettez-moi de vous présenter mes condoléances, madame. Merci, monsieur. Et voici mon fils. Bonjour. Bonjour. Vous aviez hier une petite fête d'entreprise. Il s'agit de quelle entreprise? C'est une fabrique de textiles, vêtements de jeunes. Donc vous aviez une fête d'entreprise? Oui, une petite promenade sur le Starnberger, c'est l'habitude. Vous êtes sorti à quelle heure? Bon, nous sommes sortis vers 18h et nous sommes revenus aux alentours de 23h. Combien de personnes étaient à bord? Disons dans les 200. Aviez-vous une liste de vos invités? Non. Il n'y avait avec nous que tout le personnel de la maison et les membres de leur famille. Veuillez vous asseoir. Merci. Est-il possible d'avoir la liste exacte de tous vos invités? Ah oui, bien sûr, c'est possible. Non, est-ce que vous supposez que... Oui, il est possible d'y trouver le nom du meurtrier. Mort. Meurtre. J'avoue que c'est assez incroyable. Cela s'est produit à la fin de votre réception, monsieur Zolms. Le débarcadère devait déjà être en vue. Le meurtrier a attendu pour lui planter le couteau dans le dos. L'autopsie nous renseignera sur le genre de couteau utilisé. Monsieur Kettfish est tombé par-dessus bord, où il a été poussé. Mais il n'était pas mort. Il a pu encore nager plus de 200 mètres, n'a pas pu s'en sortir car il n'a pas eu suffisamment de force pour appeler au secours. Il est mort quand il était encore dans l'eau. Pauvre Kettfish. Je me demande pourquoi quelqu'un a tué cet homme. Je n'en vois pas l'intérêt, c'est pas pensable. C'était le plus charmant des hommes. La question est là. Et pas un de vous n'a une idée ou un soupçon. Non. Réfléchissez une seconde. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Et toi, Walter? Je n'en sais rien. Tu n'en sais rien? Ce meurtre est une réalité. Il y a forcément une raison. Oui, mais quelle raison? Professionnelle ou intime, il avait des ennemis? Y avait-il eu des menaces contre lui, par téléphone ou par lettre? Est-ce qu'il avait parlé d'ennui ou bien de soucis passagers ou bien d'embêtement? Non, pas autant que je sache. Et toi, Walter? Non. Seulement, ça ne veut rien dire. Des ennemis, on en a tous. Des ennemis qu'on ignore et qui peuvent aller jusqu'à l'assassinat. Non, pour moi, c'est une chose impensable. Aucun commentaire à faire, Madame Kettfish? Non. Il n'a jamais rien dit. Je ne sais pas si Ernest avait des ennemis. Je vous l'ai dit, je ne crois pas qu'il en ait eu. Pourquoi reste-t-il si longtemps avec Madame Wagner? Écoute, papa, j'ai quelque chose à te dire. On va aller au bureau. Qu'est-ce que tu veux me dire? Hein? Qu'est-ce que tu as? Je crois, papa, que je suis bon. Ça veut dire quoi? Qu'ils vont m'arrêter, papa. Non, tu es fou. Et pourquoi t'arrêterait-ils? Etty et moi, tu n'as rien remarqué? Et qui est-il entre Etty et toi? Mais tu ne comprends rien. Pas tout à fait. Qui a-t-il entre Etty et toi? Elle est ma maîtresse, voilà ce qu'il y a. Quoi? Eh bien, tu es le seul à ne rien savoir. Tu es devenu complètement fou. Non. Non, excuse-moi, fiston, Etty est une jolie femme, une très jolie femme. Toi aussi, tu étais amoureux d'elle dans le temps. Et comment le sais-tu? Elle m'a dit que tu avais tenté ta chance. Oh, je n'y vois aucun mal. Tu as joué ton jeu. Tu fais tes coups en douce. Hein? Ne me regarde pas comme ça. Ils m'arrêteront. La moitié du personnel est au courant. Et je n'ai pas que des copains. Oui. Mais est-ce que c'est... Est-ce que c'est vraiment une liaison sérieuse? Oui, c'est une liaison sérieuse. Tu veux dire par là que tu pourrais avoir eu de bonnes raisons d'assassiner M. Kettfish? C'est sûrement ce que les flics vont en déduire. Oh non, tu as tort. C'est une erreur de dire ça. Il ne faut pas que tu parles de cette liaison. Non, non. Quoi, non? Il faut en parler. Si je veux m'en sortir. Et c'est ce que je veux. Il faut réfléchir. Je ne crois pas que ce soit la solution. Est-ce que je peux entrer? Oui, naturellement. Merci. Est-ce que je peux parler à votre fils? Si vous le désirez, oui. Laisse-nous, papa. Bon. Au cours de la soirée, vous souvenez-vous que M. Kettfish et Mme Wagner ont dansé ensemble? Vous étiez également sur la piste, avec Mme Kettfish.
C'est exact, inspecteur. Cela faisait déjà plus de 2 heures que tout le monde était à bord. C'est possible, je ne me souviens pas. C'est la dernière fois que quelqu'un a pu voir M. Kedwich encore en vie. M. Kedwich a ramené Mme Wagner jusqu'à sa table. Et il est sorti quelques instants après. Il est sorti? Vous l'ignoriez? Je n'ai pas fait attention. Vous vous êtes aussi arrêté de danser. Oui, et j'ai reconduit Mme Kedwich à sa place. Vous êtes resté avec elle? Non. Non, j'avais terriblement chaud. Je suis allé aux toilettes. Entre-temps, je crois que la nuit était tombée. Si vous le dites. Combien de temps êtes-vous resté aux toilettes? Je sais pas, j'ai pas regardé ma montre. Quelques minutes. Vous étiez seul? Non. Non, monsieur Steiner, le chef du personnel, y est venu aussi. Un témoin, c'est ça qu'on dit? C'est aussi ce qu'on appelle un alibi. Naturellement, pour vous, c'est moi le suspect numéro un, n'est-ce pas? Oui, si on peut dire. Et si vous me parliez de vos relations avec Mme Kedwich? Et voilà. Que veut dire « et voilà »? Ça veut dire que nous y sommes. Vous avez des relations particulières avec elle? C'est la raison pour laquelle j'ai dit « et voilà ». Des relations intimes? Oui. C'est votre maîtresse? Oui. Afin d'éviter tout malentendu, c'est la mort de Kedwich qui m'intéresse. Je ne suis pas de la brigade des mœurs. Vous savez, ce que je cherche, c'est seulement... Un bon motif, c'est ça? C'est exact. Que je veux savoir quels sont vos rapports avec Mme Kedwich. C'était sérieux? Oui. Et son mari, le savait? Oui, depuis une semaine. C'est vous qui lui en aviez parlé? Oui. Il a demandé à me voir. Il m'a donné rendez-vous chez lui. Et comment s'est passé l'entretien? Cigarette? Volontiers. Merci. Tu as peur, on dirait. Et pourquoi? C'est à propos de éthique que je veux te parler. Ah oui? Tu me crois aveugle? J'ai bien vu que tu lui tournais autour sans arrêt. Tu es amoureux d'elle, n'est-ce pas? Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent autour de nous que tu en serais même complètement malade. Et qui dit ça? Beaucoup de monde le dit, Steiner, Madame Kling. On sait ce que tu ressens pour elle. Tu n'as jamais pu cacher tes sentiments, tu es trop honnête. Tu aimes Etty? Oui. Et tu me lances ça à la figure. Et tu me l'as demandé. Et toi, tu oses me le dire. Et tu voulais le savoir. Alors, détends-toi. Bon sang. Tu sais que tu pourrais être mon fils. Quel rapport y a-t-il? Il y a un bail que je te connais, tu étais haut comme ça. Et ça n'a rien à voir. Tu voudrais que je ne dise rien? Tu crois que ça n'a pas de rapport? Ça n'a aucun rapport. Assieds-toi. Tu sais bien que je n'ai nullement l'intention de critiquer tes sentiments. Je suis mal placé pour ne pas être d'accord. J'ai épousé Etty parce que je la trouvais belle. Alors, comment pourrais-je m'étonner qu'un autre ait les mêmes sentiments? Je comprends ce que tu ressens. Je te demanderai seulement d'avoir quelques égards, de penser à moi. Les gens pourraient croire que Etty me trompe outrageusement. Oh, je sais qu'il n'en est rien. Ou alors, elle me trompe? Tu fais l'innocent ou quoi? Elle ne t'a rien raconté? Non. Elle ne m'a rien dit du tout. Est-ce qu'il peut y avoir des rêves insensés? Ou alors ne fait-on qu'espérer? Alors vous, qu'espérez-vous? On croyait que tu l'accepterais. Qu'est-ce que tu veux dire? Que Etty soit ma maîtresse. Ah oui, parce qu'elle est ta maîtresse? Et que tu la quitterais. Ah, c'est ça. Vous en êtes là.
Vous espérez le divorce? Ce serait la meilleure solution, peut-être la seule. Ils ont bien raison quand ils disent que tu es fou. Et est-il, et peut-être aussi. Vous agissez tous les deux comme des enfants. Est-ce que vous pensez que la jeunesse vous autorise à tout faire et à détruire complètement un ménage? Est-ce vous qui avez tué votre patron? Lui avez-vous planté le couteau dans le dos pour épouser sa femme ensuite? Non, je vous jure que non. Bon, merci, ce sera tout. Je vais vous raccompagner à la sortie. Vous dites vraiment n'importe quoi. Jamais je n'ai usé de la drogue. J'ai vu deux secrétaires de la firme et Steiner est dans ton bureau. Est-ce qu'il y a du nouveau? J'ai appris des choses sur les rapports entre les associés. Il y a quelque chose qui cloche? Je crois qu'il y avait certainement un peu d'eau dans le gaz. Il me semble que Solms était le plus actif, mais M. Catfish n'était pas toujours d'accord. J'ai appris aussi qu'il avait dicté une lettre à son avocat. Je crois qu'il souhaitait se séparer de son associé. Quand est-ce qu'il avait fait cette lettre? Il y a 6 jours. Mais il a dû se passer quelque chose. Alors, Monsieur Steiner, il reste une question importante. Monsieur Solms et Catfish possédaient des parts égales? Non, je savais que non. Et Solms, dans l'affaire, ne détenait pas 20%. 80% pour Catfish. Oui, et il n'y a guère plus de 10 ans que Solms était partie prenante. Savez-vous quel rapport? Excellent. Vous avez hésité. En êtes-vous certain? Non, parce que... Enfin, je le croyais jusqu'à maintenant. Mais plus depuis une semaine. Et pourquoi? J'ai entendu Catfish dire qu'il déplorait que cette bande soit entrée dans l'entreprise. C'est ce qu'il avait dit? C'est ce qu'il avait dit. Est-ce que Catfish a donné une raison? Non, aucune, et cela m'a surpris. Vous savez comment ils avaient pu régler les questions juridiques? Je veux dire, est-ce que Catfish avait la possibilité de se séparer de Solms? Oui. Catfish avait-il la possibilité de le licencier ou de le flanquer à la porte? C'était très exactement la situation. Mais cela aurait été un gros coup dur pour notre société. Car Solms était énergique, c'est lui qui faisait les grosses affaires et il les traitait de main de maître. En général, c'est à lui que revenaient toutes les décisions importantes. Pourtant, Catfish voulait le flanquer à la porte. Qu'est-ce que cela aurait voulu dire pour lui? Pour lui, ça représentait sans doute la fin de toute son existence. Seulement, vous ne croyez pas que c'était une raison suffisante pour tuer Catfish? Je pense que c'est une véritable stupidité. Ce serait absurde de supposer cela. Sur le bateau, la caissière, Mme Wagner, a dansé plusieurs fois avec Catfish, c'est exact. Oui, ils ont dansé tous les deux. Nous avons même trouvé tout ce que c'était assez invraisemblable. Vous avez vu aussi M. Solms? Un moment, je me suis tourné vers lui. Il était à sa table, en compagnie de sa femme. Et il était assis? Non, il était debout. L'avez-vous vu sortir? Non, non, car je suis sorti de mon côté. Peu de temps après, M. Catfish est allé sur le pont. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Non, non, je n'ai rien à vous en dire. Je suis retourné dans la salle de danse. Est-ce que M. Solms était toujours à sa table? Non. Êtes-vous certain de cela? Oui, oui. Parce que je me suis approché pour inviter Mme Solms à danser. Et j'ai vu qu'elle était restée seule à sa table. Accordez une danse, Mme Solms? Vous êtes gentil, Steiner, mais je préfère ne pas danser. Merci. Elle a refusé. Essayez de vous souvenir maintenant où se trouvait Catfish. L'avez-vous aperçu sur la piste? Non, non. Non, non. Avez-vous vu Solms, Monsieur Steiner? Vous l'avez peut-être vu sortir ou se rendre dans un endroit quelconque, à un moment quelconque. C'est très dur à dire. Je vois ce que vous cherchez, mais seulement... Je ne peux rien dire d'autre. Dans ce genre d'affaires, il est dur de témoigner. Vous me demandez de vous préciser les choses à la minute, à la seconde.
Nous avions tous, sur ce bateau, un peu trop bu. On était un peu ivres. Oui, je vous comprends. Je vais vous dire que s'il fallait que je fasse une déposition... Non, rassurez-vous, ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Nous vous laissons tranquille, Monsieur Steiner. Je vous prie de m'excuser. Au revoir. Au revoir. C'est du côté de Zulms que nous trouverons la solution du problème Kedvish. Peut-être, seulement Zulms n'est qu'un pion sur l'échiquier. Ce n'est pas le seul sur qui pèsent tous les soupçons, Harry. La caissière, Madame Wagner, ne s'est pas absentée une seconde de la salle de danse. Walter Zulms, il est aux toilettes. Madame Kedvish et Madame Zulms ne se sont pas absentées un instant. Et Steiner est revenu dans la salle. Allô, Frank? Seulement. Tu me dis où sont Kedvish et Zulms? Bonsoir. Pardonnez-moi, monsieur. Je sais que ça n'est pas une heure. Vous devriez entrer. Vous êtes gentil. Il faut que je vous montre une lettre que votre ami Kedvish a récemment envoyée à son avocat. Oui, je sais. Ah, vous le saviez, bien sûr. Ben, je n'ai pas lu cette lettre, seulement j'en connais le contenu. Pourquoi voulait-il vous sortir de la société? C'est ce que je me suis souvent demandé. Aujourd'hui, je pense le savoir. Mon fils a une liaison avec sa femme, il y a déjà un certain temps. Je ne vois pas d'autre véritable raison, inspecteur. Mmh. Vous supposez que... Oui, j'ai demandé à Kedvish de me dire pourquoi, mais il a toujours refusé de me l'expliquer. Il se contentait de me dire, je veux tout, ne plus te voir. Il n'en a jamais discuté? Non. Et il a maintenu sa décision? Exactement. Oui. Oui, alors, sa mort a résolu tous vos problèmes, on dirait. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Que pour trouver l'assassin, il faut d'abord trouver les raisons. Et vous en avez trouvé une? Sa mort pouvait me sortir de l'impasse et d'une mauvaise situation. Seulement, inspecteur, est-ce que vous croyez sincèrement que commettre un meurtre était la solution? Alors, ne parlons donc pour l'instant que de votre inconfortable situation. Mais jusqu'à quel point les... Rentrez immédiatement chez vous. Bouge pas. Les coups de feu venaient de ce coin-là. J'appelle le service des empreintes. Tu inspectes les environs. Que s'est-il passé? Il se passe qu'on m'a tiré dessus à travers la fenêtre. Je pourrais passer un coup de fil? Non, bien sûr. Merci. Ici, Derek. Schroeder est encore là. Où est-ce que tu étais? À l'endroit où tu te trouves. Mais allons, viens, ne reste pas là. On se croirait au Far West. Oui, c'est un peu le cas. Alors, on dirait que la situation a changé. Oui, peut-être. Comment, peut-être? On a abattu Kedvish et maintenant mon mari est la seconde cible. Oh, oui, oui, ça c'est exact. Bon, eh bien, c'est pour ça que je dis que la situation a changé. Tout ce que vous aviez soupçonné, inspecteur, ne tient plus. Il faut donc faire des recherches sur un plan beaucoup plus étendu. Il s'agit d'attentats contre les têtes de la firme, contre toutes et non contre une seule personne. Oui, c'est plausible, en tout cas. Vous étiez où quand on a tiré? Dans la cuisine. Où se trouve-t-elle? Je peux la voir? Venez. J'étais venue préparer le dîner. Où est votre fils? Trois assiettes. Vous attendiez votre fils? Oui, d'une minute à l'autre. Les volets sont fermés. Vu. Vous avez une vivacité de réaction étonnante. Vous trouvez? Vous réagissez avec un grand sang-froid et vous trouvez de suite les nouvelles motivations. Ce n'est que de la logique. C'est bien ce que je disais. Vous avez une propension naturelle pour la logique. Oui, et ce n'est pas normal pour une femme, vous pensez? Les hommes n'aiment pas beaucoup qu'une femme soit logique. Et maintenant, vous avez d'autres questions? Non. Ne bougez pas d'ici.
Ah, inspecteur, c'est encore... Veuillez entrer. Et veuillez lever les bras. Mais pourquoi? Allez, pas de discussion. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? On vient d'essayer de tuer votre père. Montrez-moi votre sac à main. Quoi? Merci. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quelqu'un vient de tenter de m'assassiner et il me faut remercier cette personne. Car personne ne me prendra plus pour un meurtrier. Qui ne pouvait souhaiter une meilleure disculpation. Et d'où est-ce qu'on a tiré? On vient, je vais te montrer. Rien. Il n'a laissé aucune trace intéressante. Il et pourquoi il? Mais à quoi penses-tu? À quoi je pense? Il y a aussi des femmes qui savent tirer. Vous avez trouvé quelque chose? Des empreintes ou des traces? Non, rien encore. Votre mari a un revolver à la maison? Un revolver? Je n'en sais rien, je ne crois pas seulement. Je peux faire erreur. Je ne voudrais rien dire qui puisse compromettre mon mari. Et dites-moi, puis-je vous poser une question? Est-ce que mon fils et Mme Kedvige peuvent rentrer ou avez-vous besoin d'eux? Je peux reconduire Mme Kedvige? Oui, oui, allez-y. Que quelqu'un ait pu tirer sur mon père n'a pas l'air de vous plaire. Non, je ne m'y attendais pas et je n'aime pas ça. Et ce n'est pas moi qui vous dirai qui c'est. Je pense que quelqu'un est en train d'essayer de nous avoir et de nous berner. Quelqu'un sur qui on tire et hors de soupçon, en général. C'est exact. Qu'en penses-tu? Oui, c'est exact, oui. Ou bien c'est le fils qui a tiré dessus. Ou c'est sa maîtresse. Madame Kedvige? C'est loin d'être stupide. C'était la façon de ne prendre aucun risque. Ou Madame Zolms a tiré. Madame Zolms. Pourrais-je téléphoner, madame, s'il vous plaît? Oui, oui, l'idée n'est pas à exclure. C'est vraiment une très curieuse famille. Hein? Et bientôt 2 heures. Hein? Bah oui, pas loin. Tu appelles qui? Madame Kedvige. Allô? Qui est là? Ah, c'est vous, monsieur l'inspecteur. Vous avez du nouveau? Oh, vous dormiez déjà? Non, ce sera tout. Que voulait-il? Rien de particulier. C'est ensuite qu'il m'a signalé qu'il manquait un couteau. Ce n'est qu'après qu'il l'a remarqué, quand il a nettoyé et rangé tout le matériel. Un tranchoir, commandant? Oui. La batterie en avait 5. Et il ne lui en reste que 4. Ah, voilà notre cuisinier, monsieur Kupatz. Bonjour, inspecteur. Bonjour. Regardez, inspecteur, voici tous les couteaux. Comme ça, il y en a 3. Ah, donc celui qui manque est de cette taille, aussi long et aussi large. Oui. Mmh. Et où se trouvaient les couteaux après le repas? Sur la table de service que j'avais déjà mise dans le couloir, à la sortie, sur le pont. Et à la portée de tout le monde. J'ai fait des recherches. Qu'est-ce que c'est que ce machin? T'aimerais avoir ce truc-là planté dans l'omoplate? Je suis pas passionné. Bon, j'ai fait des recherches sur la famille Zolms. Peut-être que ça t'intéresse. Allez, raconte-moi. Bonjour, madame Zolms. Vous voulez me parler? Oui, rien qu'une petite question. Pourquoi venir jusqu'ici? Je voulais éviter de vous convoquer au bureau. Je vous écoute, inspecteur. Oh, ce n'est... ça n'a rien de facile. Parlez-moi donc de votre mari. Oui, vous étiez bien sûr de vous hier, madame. Lui, par contre, l'était moins. Parce que la situation le concernait personnellement. Voyez-vous, j'ai beaucoup relu aujourd'hui toutes les réponses que votre mari nous a faites. Ah. Bon, pour me faire une opinion. Vous en avez une? Oui. C'est un garçon dynamique. Un homme qui sait prendre les risques qu'il faut. Le commerçant exemplaire et... Oui. Très communicatif. Un homme qui a le don de se faire des relations sérieuses et d'en profiter au mieux de la société. Il était très aimé par ses employés. Oui, c'est exact. Mais on dit que... qu'il avait des relations avec les secrétaires, les couturières et beaucoup d'autres femmes. C'est tout l'effet que ça vous fait.
Vous savez, vous avez touché un point douloureux. Que voulez-vous que je dise? Il y a des années que je sais que mon mari me trompe. C'est un destin que je partage avec d'autres. C'était pas très facile, mais... je crois qu'on finit par s'habituer à voir son mari avec un pareil sens de la communication, comme vous dites. J'ai l'impression que vous vous en moquez. Vous pensez ça? Oui, car je pense que cette attitude n'est pas votre genre. Et quel serait mon genre? Écoutez, vous vous attendrissez sur ma situation. Est-ce que vous oubliez que vous avez un meurtre à résoudre? Et une tentative de meurtre également. C'est bien pour ça que je pense à la vie privée de mes clients, celle de votre mari et la vôtre. Et je suis étonné que vous soyez une personne qui admette de se laisser humilier. Oui, bien sûr. Vous me suspectez aussi. Ça vous conduit à quoi? Vous êtes dans une impasse. Avec toutes vos idées, vous n'avez aucune chance. Aucune chance? Vous croyez? Non, j'en suis sûre. Je crois que vous êtes trop... trop compliqué. Vous connaissez le meurtrier? Madame Holmes. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Vous attendez que votre mari soit également assassiné? Je ne crois pas que ce soit de votre compétence. Oui, exact. Je vous prie de m'en excuser. Au revoir. Ah, oui. Harry? Oui, présent. Oui. Bon, merci beaucoup. Toutes les soirées dansantes prévues dans la société sont animées par Walter Zolms et réalisées par son père. Zolms a participé à toutes les fêtes. Il n'a pas raté une danse. Oui, Klein. Une minute. Stéphane? Oui? Pour toi. Allô? Vous êtes l'inspecteur d'Eric? Ici, Madame Zolms. J'ai quelque chose à vous dire qui peut avoir peut-être quelque importance à vos yeux. Mon mari avait une liaison avec une des couturières. Une certaine Inge Troubal. Oui, Troubal, j'ai bien entendu. C'était une amie du chef du personnel, je crois. Oui, oui, c'est ça, Monsieur Scheiner. Non, j'en sais rien. Cette femme est morte. Des suites d'un avortement, il n'y a pas très longtemps. Bonjour, Monsieur Steiner. Nous désirerions vous parler. Eh oui, merci, Mademoiselle Schneider. Bonjour. 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 Vous désirez... Qui est-ce? C'est la photo d'une vieille amie à moi. Inge Troubal. Oui. C'était aussi une de vos employées. Oui, elle travaillait ici. Cette jeune fille est morte. Ça fait 3 semaines environ. Je crois que vous souhaitiez l'épouser. Oui, je voulais l'épouser. Et elle vivait déjà chez vous. Rien ne vous échappe, on dirait. Bon, c'est notre métier. Vous étiez à la veille du mariage? Oui, c'est très exact. C'est une jeune fille que vous aimiez beaucoup. Oui. C'est vrai, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Une jeune fille que j'aimais beaucoup. J'étais plus âgé qu'elle. J'avais perdu ma première femme. Je pensais que jamais je ne me remarierais. Je n'avais jamais espéré rencontrer une autre femme. Une femme avec laquelle je puisse être de nouveau heureux.
Mais de quoi est-elle morte? Vous semblez tellement bien informé que vous devez le savoir. Elle est morte, je crois, des suites d'un avortement. Oui. Je ne savais rien, elle ne m'en avait rien dit. Elle n'avait pas voulu me dire qu'il y avait eu quelqu'un dans sa vie et qu'elle attendait un enfant. Le bonhomme en question a cru bon de lui donner de l'argent et une adresse. Et ce qui est arrivé, c'est qu'elle est morte à la clinique. Le nom de ce bonhomme? C'est Zolms. À la fête, vous aviez l'intention de tuer Monsieur Zolms. C'est vrai, au début, ce n'était qu'une intention. Mais j'ai profité des circonstances. Cet homme n'avait pas la moindre conscience. En une seconde, j'ai compris que j'allais le tuer. Que c'était cette nuit-là qu'il fallait le faire. Je me sentais coupable. Je me sentais terriblement coupable. À la clinique, je suis resté près d'elle jusqu'au dernier moment, en gardant sa main dans la mienne. En même temps qu'elle, tout est mort en moi, j'ai compris que je ne devais plus rien tolérer. Je voyais le responsable se comporter comme si rien n'était arrivé. Je l'ai vu accoudé au bastingage, seul, tout seul. C'était de la provocation. Tue-le. Tue-le maintenant. Steiner, pourquoi faites-vous ça? Je me suis trompé. J'ai tué celui qui ne le méritait pas.